Bonjour, comment nourrir les plantes grâce aux poissons? C'est un problème qui est posé aux élèves de 6e. Ça s'appelle de l'aquaponie. Alors, ce sont des systèmes qui économiquement se développent aux USA, au Canada et en Australie également. Alors, l'aquaponie, on peut dire que c'est de l'aquaculture ou de la pisciculture et de l'hydroponie, c'est-à-dire c'est de la culture hors sol, associé à de l'élevage de poissons. Donc ici, vous avez deux systèmes aquaponiques qui ont été réalisés par les élèves de 6e. Donc vous avez les poissons qui sont ici et vous avez là des plantes, des radis qui ont été plantés le 15 juin, c'est-à-dire il y a une quinzaine de jours. Alors à quoi ça sert exactement l'aquaponie? Ben, si ça répond à un besoin, j'ai envie de dire, de préservation de la ressource en eau, d'une part, de limitation de la pollution, d'autre part, et puis également de nourrir les hommes, ça sert plus précisément, hop, les jolis poissons, à dépolluer l'eau en transformant l'ammoniac produit par la déjection des poissons en nourriture pour les plantes. L'ammoniac se transforme en fait grâce à des bactéries en nitrate et nitrite qui sont utiles à la croissance des plantes. Alors ces bactéries se développent dans un substrat ici qui est composé de billes d'argile. Alors comment ça marche exactement? Eh bien vous avez ici une pompe qui envoie l'eau de l'aquarium dans le substrat. Il faut environ 5 à 6 semaines pour que les bactéries se développent. Et ici, vous avez un système où on peut gérer le niveau de l'eau dans le substrat, qui, une fois que celle-ci a été débarrassée de son ammoniac, peut retourner purifiée dans l'aquarium qui se trouve en dessous.